Affaire Philetex. Les explications du ministère de la Population. Le ministère de la Population tente actuellement de trouver un endroit où installer les sans-abri dont les maisons ont été démolies à la suite de la procédure d'expropriation engagée par la société Philatex sur le site d'Enquête Mahouk. Les faits remontent à mai dernier. Plusieurs dizaines de familles se sont retrouvées dans la rue après les travaux de démolition. D'après les explications de la ministre Éléonore Djouas, les patrons de l'entreprise Philatex ont déjà négocié avec son département au sujet de ce nouveau centre d'accueil. En tout cas, ces déclarations émanent de la ministre lors de sa confrontation avec les parlementaires aujourd'hui. Djouassi et Léonore a également dû s'expliquer sur l'envoi de travailleurs malgaches à l'étranger. Elle a été convoquée par les membres de la commission parlementaire en charge du travail et de la fonction publique, sauf que ces derniers n'ont même pas répondu présent à la séance qui s'est déroulée à Timbazaz. D'après les explications qu'elle a apportées, cette question relève de plusieurs ministères, dont celui de la Justice, le ministère du Travail, celui des Affaires étrangères. Ainsi, la ministre estime que tous les départements concernés devraient être convoqués.